Le 2 mars 2004, l'Agence spatiale européenne lance la mission Rosetta, dont le principal objectif est d'analyser la composition du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko afin de mieux comprendre l'origine de l'eau et de la vie sur Terre. C'est un voyage de 10 années que va effectuer la sonde à travers le système solaire avant de pouvoir réaliser deux premières mondiales, se mettre en orbite autour d'une comète et poser sur son noyau un petit atterrisseur nommé Philae. 9 laboratoires français, dont l'IAS, le LESIA et le LATMOS, sont impliqués dans le développement des 21 instruments embarqués par la sonde et son atterrisseur qui auront nécessité plus de 11 années de développement. Pourquoi on a été voir les comètes ? Eh bien parce qu'on se doutait que les comètes, formées très loin dans le système solaire, dans des endroits où il fait extrêmement froid, ont très peu évolué dans les 4,5 milliards d'années d'évolution du système solaire. Elles ont préservé les conditions d'origine de l'évolution du système solaire, au niveau aussi bien de la dynamique que des ingrédients eux-mêmes. Et ce qui progressivement est arrivé par la compréhension qu'on avait de ce que sont les comètes, c'est que ce qui a donné sur Terre l'émergence de structures très complexes à base de carbone peut venir de molécules qui elles-mêmes étaient déjà présentes dans le matériau d'origine, dans la nébuleuse, comme on dit, protosolaire, et que les comètes auraient pu garder tout ou partie de ces molécules-là. Et pour comprendre le cheminement qui va d'atomes et de molécules simples aux structures très complexes que sont les structures vivantes aujourd'hui, on a pensé que les comètes pouvaient être un des jalons essentiels de cela. Si on s'intéresse à ce matériau d'origine, qui est bloqué dans les noyaux cométaires, c'est que quelque part on est convaincu que l'évolution du système solaire, qui a vu l'accrétion des objets qui sont devenus les planètes comme la Terre, les planètes telluriques, a incorporé une partie de ce matériau-là, et que ce sont ces glaces et ces composés carbonés présents dans le système solaire externe qui, par l'intermédiaire des noyaux cométaires, puis des astéroïdes, on nourrit les planètes internes de ce qui est devenu l'eau liquide et les composés carbonés. À l'approche du Soleil, les glaces contenues dans les comètes subliment. Elles passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Se forment alors la coma, atmosphère entourant le noyau, et les queues, panaches caractéristiques des comètes. C'est donc loin du Soleil que le rendez-vous entre Rosetta et Churyumov-Gerasimenko doit avoir lieu afin de permettre à la sonde d'étudier la comète lorsqu'elle est encore inactive. En juin 2014, les premières images du noyau sont réalisées. Cette comète, elle avait une forme complètement ahurissante, à deux lobes, bilobés. Une espèce de tête de 2 km et puis un corps de 4 km. Certains ont vu un canard de bain, donc une forme absolument biscornue. Et puis surtout, on croit voir plein de cratères. Mais en fait, ce n'est pas des cratères. C'est en fait des bassins qui se sont effondrés. Donc on assiste finalement à une géologie très très riche, aussi riche qu'un paysage tourmenté sur Terre. On a des falaises, des dépressions, des bassins, des fissures, mais tout ça généré uniquement par un seul phénomène, la sublimation de la glace, qui façonne finalement le paysage à la surface de la comète. Pendant plus de 2 mois, les instruments de Rosetta vont observer, cartographier et analyser la surface du noyau cométaire. Parmi eux, Virtis, spectro-imageur infrarouge, déterminera sa composition. Une comète, c'est riche en glace, la glace d'eau essentiellement, mais il y a aussi d'autres glaces, et aussi mélangé avec beaucoup de poussière organique, qu'on appelle organique, tout ce qui est composé de carbone. Un carbone, le méthane par exemple, c'est une molécule organique, mais ça peut aller à des molécules beaucoup plus complexes avec beaucoup de carbone. Et parmi les molécules très complexes, on a détecté une vingtaine, donc 4 nouvelles. Parmi ces molécules complexes, on a des acides aminés. Et la mission Rosetta a découvert un acide aminé particulier qui est la glycine. Et les acides aminés, c'est important pour la vie puisque c'est à la base de l'ADN. On ne pense pas qu'il y a de la vie sur la comète, mais on pense que les comètes riches en molécules organiques, riches en acides aminés, ont peut-être pu aussi apporter la vie sous forme de kit à la Terre. 12 novembre 2014, c'est au tour de Philae d'aller analyser in situ le matériau cométaire.
Vers 9h30, l'atterrisseur se détache de Rosetta et entame une chute libre de plus de 20 km en direction de la comète qui se déplace à 135 000 km/h. La descente dure 7 heures et Philae touche la surface à moins de 100 mètres du site visé. Mais les rétrofusées et les harpons censés le plaquer au sol ne se déclenchent pas et il rebondit, entame un vol plané qui durera plus de 2 heures. Philae s'immobilise enfin dans une position inconfortable à plus d'un kilomètre du point d'impact initial. On sait que les batteries ont 60 heures d'autonomie. Et on sait que pendant ce court laps de temps, c'est vrai que c'est quand même court, 60 heures, il va falloir faire un maximum de science. Un maximum de science, ça veut dire faire tourner, il y a une dizaine d'instruments à bord de Philae, et bien c'est un peu une course contre la montre, et on essaye de faire le maximum. La caméra Shiva réalise une image panoramique du site d'atterrissage qui permet de se rendre compte que Philae est à l'ombre et ne pourra pas utiliser ses panneaux solaires pour recharger ses batteries. De plus, Philae est incliné. Cette position va empêcher certains instruments de fonctionner, notamment la foreuse, censée fournir des échantillons cométaires à d'autres instruments. L'instrument COSAC était conçu pour faire de l'analyse de la composition des éléments qui devaient être recueillis par la foreuse, puis volatilisés par chauffage, analysés et devaient permettre de faire comme ça de l'analyse de composition du noyau. La chance extraordinaire de COSAC, c'est qu'au moment du premier rebond à la surface de Churyumov-Gerasimenko, le nuage qui a été provoqué par l'atterrissage donc de l'atterrisseur a envoyé une partie des matériaux constitutifs du noyau, un peu par chance, dans l'analyseur. Et donc COSAC a pu faire des mesures alors que la foreuse n'avait pas fonctionné. L'analyse des résultats obtenus par les instruments de Philae et Rosetta a donc mis en évidence la présence de molécules organiques complexes au sein même du matériau d'origine du système solaire présent dans le noyau de Churyumov-Gerasimenko. La nature de la glace d'eau présente sur cette comète s'est avérée en revanche différente de celle de notre planète. Dès décembre 2014, Churyumov-Gerasimenko, se rapprochant du Soleil, devient progressivement de plus en plus active. Rosetta va pouvoir étudier ce phénomène de dégazage si particulier dans la vie d'une comète. Alors, il y a deux types d'activités qu'on a détectées. Une activité assez diffuse, on voit un dégazage assez global, général de la surface. Et puis, il y a des jets très très puissants, intermittents, qui éjectent de la matière avec beaucoup de violence. Et on a identifié leur origine et on a compris que ces espèces de puits qui font à peu près 100 mètres de diamètre et presque une centaine de mètres de profondeur, très cylindriques, sont les lieux d'origine de ces jets très puissants d'activité. C'est des choses qu'on ne soupçonnait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'observation qui permettait de faire ça. Un instrument, qui s'appelle COSIMA, a eu la capacité de collecter des grains et d'analyser grain par grain la composition du matériau qui était éjecté. Et cet instrument COSIMA, fait en coopération entre l'Allemagne et la France, majoritairement, a montré qu'effectivement, une très grande fraction des grains est riche de composés carbonés, au cœur desquels des petits minéraux sont présents, et aussi bien la phase carbonée que les minéraux ont été analysés par spectrométrie de masse. En septembre 2016, alors que la comète s'éloigne à nouveau du Soleil, la décision est prise de mettre fin à la mission de Rosetta. Après 2 années d'observation, Rosetta va rejoindre Philae en se posant à son tour sur Churyumov-Gerasimenko et fournir les dernières images de la surface lors de sa descente. Ce sont des documents uniques, ce sont des sommes de travail énormes et c'est beaucoup de temps passé. Quand on regarde ces missions, entre le moment où elles ont été conçues et le moment où on reçoit les données, il y a parfois 20 ans. Donc sur une carrière de chercheur, des missions comme ça, au mieux vous en faites 2 ou 3. C'est avec ces avancées, ces petits sondages, ces petits points de vue donnés par chacun des instruments qui sont embarqués sur les sondes que finalement on réussit à avoir une vision un peu complète des objets.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun scientifique qui vous dira à l'issue de la mission, bon, moi, c'est bon, travail terminé, merci, je peux arrêter ma carrière. Il ne pense qu'à une seule chose, c'est à la mission suivante, ce qu'elle ira explorer et quels instruments il faut mettre à bord pour pouvoir continuer la recherche.